I'm gonna go to the hospital.
Stop it.
Jesus,
que je te donne un signe. Tu sentiras une joie que tu n'as jamais sentie. Je t'annonce au nom du Seigneur que tu sentiras une joie que tu n'as jamais sentie. Les anges de Dieu sont disponibles ce soir. Le ciel est ouvert sur vous ce soir. Le ciel est ouvert, je te le dis en vérité, en vérité. Le ciel est ouvert, Satan ne peut rien se faire pour combattre. Le ciel est ouvert. L'atmosphère de cette église est pure. Je veux les anges de monter des sangs. Aujourd'hui, nous allons rencontrer le Dieu vivant. Nous sommes venus rencontrer Dieu de la terre. Nous sommes venus les cieux de la terre. Nous sommes venus le trouver ici. Nous sommes venus chercher le grand Dieu, créateur des cieux de la terre. Nous sommes venus le trouver de la vérité aujourd'hui. Alléluia. Cette annonce est une journée d'allégresse. Cette annonce est une belle saison. Tu n'oublieras pas ce que Dieu fera de ta vie aujourd'hui. Tu n'oublieras pas ce que le signe qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Ton capacité à faire aujourd'hui, ta vie changera même aujourd'hui. Ta vie changera. Tu deviendras une vraie créature. Tu deviendras une vraie créature. Je prophétise sur toi. Tu deviendras une vraie créature. Celui que je vois aujourd'hui, c'est l'ancien homme. Mais après la prière d'aujourd'hui, tu seras un nouvel homme. Un nouvel homme. Un nouvel homme. Une nouvelle femme. Une nouvelle femme. Une nouvelle femme. Parce que Dieu est en train de vous guider. Dieu est en train de vous guider aujourd'hui. Le règne de Dieu est là ce soir. C'est pourquoi pendant que tu m'écoutes, commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Tout ce réveil spirituel. Et après, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Pour le rendez-vous de ce soir. Pour le rendez-vous de ce soir. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Prie. Go, 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 go
arrive, percevez le Satan. I am going to the
Yeah.
challenge. Tu dois prier. Que le règne du Saint-Esprit descende. Tu vas dire, Holy Spirit, Saint-Esprit, que ton règne descend ici. Que ton règne descend. Que le règne de Dieu descend. Les anges de Dieu l'accompagnent. Que le règne de Dieu descend. Yeah.
Que Jésus en fait. Alléluia. Alléluia. In Jesus, I pray. I pray. Let your presence flow now. It is time. Thank you, Lord. The time of deliverance. Jesus. 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 These people wait for deliverance. It is time to manifest your power. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. These people love for you, Jesus. These are your people, Jesus. These your people, Jesus. The people who slave. Jesus is there. Jesus is there.
Jesus is there. Jesus is there. Silence. 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 Contemplate your presence. Contemplate your presence. It is here. Jesus is here. Jesus touched you. Now, he touched you. He touched you. He touched you. You receive new anointing. You receive new anointing. It is your time to follow. Yes. Thank you. Thank you, my God. Thank you, my Father. Thank you. Amen. 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 Clap Jesus. Hallelujah. I see you go. Le Seigneur est grand et merveilleux. Il est puissant. Amen. Notre Dieu est puissant. Our God is almighty. Alléluia. My friend, I come to deliver a new message for you. Alléluia. C'est un message de délivrance pour toi ce soir. Amen. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu de délivrance. Notre Dieu, c'est celui qui libère et que personne ne peut enchaîner. C'est lui qui ouvre, que personne ne peut fermer. Et c'est lui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Celui qui délie, qui peut le lier encore? Personne. Alléluia. Bien-aimés, nous allons parler de quelque chose ce soir. Et ça va servir de bonne prière. Ce soir, nous allons beaucoup prier. Contrairement à hier. Amen. Nous allons beaucoup prier ce soir. Parce que le thème de ce soir porte sur la délivrance dans la vie chrétienne. La délivrance dans la vie chrétienne. La délivrance. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur tirée dans le livre de Matthieu 4, le verset 18. Alléluia. Matthieu 4. Amen. C'est plutôt Luc 4, verset 18. Amen. Nous allons lire en français et aussi en anglais. Amen. Quelle Bible anglaise là? Quelle Bible anglaise? Qui a mis sa Bible en anglais ici? Qui a mis sa Bible en anglais? Amen. Oui, allez-y. Nous allons essayer de lire ça aussi en anglais. Sur la parole de Jésus. Luc 4, verset 18. Merci du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le mouvement de la vie, pour renvoyer libre les opprimés. Continue, oui, 19. 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20. Ensuite, il roula les livres. C'est bon. In English. The Spirit of the Lord is on me. Because I am marked out by Him to give good news to the poor.
He has sent me to make well those who are broken out. To say that the prisoners will be let go and the plains will see. And to make the world free from the chains. To give it colors that the ear of the Lord will precious in his car. Amen. Hallelujah. Mon frère, ma soeur, le Seigneur, sa mission, il dit ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libre les opprimés. Voilà la mission de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parmi ces missions, nous allons nous concentrer sur l'une des missions principales. Alléluia. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est venu sur la terre, il y a l'une des missions qu'il a plus accomplie, alléluia, et qui a plutôt marqué son ministère que tout autre ministère depuis Adam. Alléluia. Il est arrivé à un moment donné, le Seigneur Jésus-Christ va pardonner un démoniaque. Amen. Parce qu'il a péché. Et le péché qu'il a commis, alléluia, ce péché l'a emmené dans la captivité. Et Jésus m'a dit, tes péchés ne sont pardonnés. Et à l'instant, Jésus m'a ordonné au démon de libérer cet homme. Et à l'instant, le démon l'a quitté. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y a un trouble au milieu des pharisiens qui vont dire, mais que Jésus là, il ne vient pas de Dieu. Que ce n'est pas Belzéboul qui chasse les démons. Alléluia. Jésus m'a dit, si moi je chasse les démons par Belzéboul, vous les religieux, par quel nom chassez-vous les démons? Alléluia. Et dit, si ce n'est pas le droit de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. Alléluia. Le royaume de Dieu, c'est le royaume de la lumière. C'est pourquoi Jésus dit qu'il est la lumière. Et il est venu dans ce monde. Le monde est rempli de ténèbres. C'est pourquoi il dit la lumière est venue parmi les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Maintenant, quiconque recevra cette lumière, quiconque va accueillir cette lumière, alors cette lumière va l'identifier désormais comme quoi? Enfant de Dieu. Alléluia. Donc, Jésus est venu sur la terre pour créer quelque chose dans la vie de tous ceux qui sont dans les ténèbres. Il les a transportés des ténèbres à la lumière. Il les a transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Donc, il y a deux royaumes maintenant en jeu. Il y a le royaume des ténèbres et il y a le royaume de la lumière. Le royaume des ténèbres est gouverné par Satan et ses démons. Et le royaume de la lumière est venu par Jésus. Donc Jésus est le chef, est le roi du royaume de la lumière et ses anges. Alléluia. Et vous allez constater que les deux royaumes à peu près les mêmes fonctionnements. Alléluia. Les deux royaumes
ont à peu près la même structure organisationnelle. C'est-à-dire quoi? Les deux royaumes fonctionnent dans deux différentes dimensions. Les deux royaumes fonctionnent dans deux dimensions différentes. L'une dimension, elle est physique, visible. Et l'autre dimension est spirituelle. Alléluia. Donc nous avons le royaume de Dieu qui est organisé en royaume visible et en royaume invisible. Le royaume visible, c'est l'Église. Alléluia. Acclame Jésus. Le royaume visible, c'est l'Église. Ce sont ceux qui ont été sauvés. Ceux qui ont été marqués du sang de l'Esprit. C'est eux qui forment le royaume visible de Dieu. Alléluia. Et le royaume invisible, qu'on appelle le royaume spirituel, le royaume de la lumière est composé des anges. Alléluia. Donc, l'Église opère pour Dieu. Les anges opèrent pour Dieu. Donc, au total, l'Église et les anges sont au service de Dieu. Voilà Jésus. De l'autre côté aussi, c'est la même chose, mais dans le sens opposé. Amen. Le royaume des ténèbres est aussi composé de deux dimensions. La dimension physique, le royaume physique, et le royaume invisible. Le royaume physique, écoutez-moi bien, est composé de tous les méchants. Alléluia. Tous les méchants, tous les pécheurs, tous les sorciers, tous ceux qui font du mal. Le royaume physique est composé de ceux-là. Est-ce que vous me suivez maintenant? Maintenant, le royaume invisible est composé des démons. Donc chacun fonctionne dans son royaume. Chacun a un compartiment physique et un compartiment invisible. Alléluia. Amen. Je vais expliquer quelque chose. Bien sûr, ce que je viens d'expliquer. Maintenant, revenons au niveau du royaume des ténèbres. Alléluia. Nous avons dit que le royaume des ténèbres est composé de deux compartiments. Le royaume physique, composé de qui et qui on a dit? Il y a qui dans son royaume? Il y a qui dans son royaume? Oui, il y a qui? Il y a qui dans le royaume physique, là, du diable, le royaume des ténèbres? Il y a qui dedans? Oui, c'est vous? Oui, le bien-aimé. Il y a qui? Oui, David. Oui. Qui sont les composants du royaume physique du diable, des ténèbres? J'en ai parlé tout à l'heure. Oui, lève-toi et réponds, s'il te plaît. Ah, il ne comprend pas, c'est ça? Il ne comprend pas. Ah, c'est pas lui, mais regarde. Vas-y. Ok. Jemai. Oui, il faut le faire, il faut le faire. Oui. Regarde. Il y a bien le mot là, oui. Et le royaume du diable, oui. Il y a l'impudicité, oui. Il y a les méchants, oui. Les méchants. D'accord, merci. Amen. Écoutez-moi bien, je reprends mon explication. C'est ça la délivrance que j'ai donné ce soir. Écoutez-moi bien. Le royaume des ténèbres a deux compartiments. Il y a un compartiment qui est visible, qu'on voit. Amen. Et un compartiment invisible. Le compartiment visible est composé des méchants, des hommes méchants, est composé des pécheurs, est composé des sorciers, est composé de tous ceux qui font du mal. Amen. Maintenant, le royaume invisible est composé des démons. Là, c'est plus facile à comprendre. Amen. Maintenant, revenons maintenant dans le royaume des ténèbres. Alléluia. Amen. Le royaume des ténèbres du côté visible. Physique ou visible. Nous avons dit qu'il est composé de qui et qui en dit?
de des méchants, des sorciers, des pécheurs, de tous ceux qui font du mal. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça veut dire que désormais, tout le monde comprend que lorsque je fais du mal, j'appartiens à quel royaume? J'appartiens à quel royaume? Lorsque je fais du mal, j'appartiens à quel royaume? Royaume des ténèbres. Royaume des ténèbres. Acclamez Jésus pour ça. Amen. Donc, lorsque je fais du mal, j'appartiens systématiquement au royaume des ténèbres. Lorsque je pêche, j'appartiens à quel royaume? Royaume des ténèbres. Lorsque je suis un sorcier, j'appartiens à quel royaume? Royaume des ténèbres. Écoutez-moi bien. Donc, le sorcier travaille pour le royaume des ténèbres. Le méchant travaille pour le royaume des ténèbres. Le voleur travaille pour le royaume des ténèbres. La prostituée travaille pour le royaume des ténèbres. Est-ce que vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si jamais je pêche, ça veut dire que moi je travaille pour le diable. C'est ce que ça veut dire. Lorsque je n'aime pas mon prochain, tel que je suis en train de travailler pour le royaume des ténèbres. C'est pourquoi Jésus est venu pour faire un travail. Amen. Le travail que Jésus est venu faire, c'est pour enlever tout le royaume visible du diable et mettre ça dans le royaume de la lumière. Je reprends. L'homme de Jésus, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé, car, alléluia, il m'a envoyé parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont en le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Amen. Donc Jésus est venu en réalité pour prendre tout le royaume visible des ténèbres. Amen. Pour amener dans la lumière. Il n'est pas venu pour le royaume invisible des ténèbres. Non. Est-ce que vous comprenez maintenant? Jésus n'est pas venu pour le royaume invisible des ténèbres. Le royaume invisible des ténèbres est composé des démons. Donc Jésus n'est pas venu pour les démons. Vous comprenez maintenant? Donc Jésus est venu pour qui? Les méchants, les pécheurs, les sorciers, tous ceux qui font du mal. Donc quand il prend un sorcier, lorsqu'un sorcier reçoit la lumière, qu'est-ce qui se passe? Il quitte automatiquement les ténèbres et vient la lumière. C'est ça qu'on appelle délivrance. Je reprends. Lorsque un sorcier reçoit la lumière, accepte Jésus, parce que la Bible dit dans Jean 1 que tous ceux qui l'ont reçu et croient en son nom, elle lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire la lumière. Tous ceux qui ont reçu la lumière, alléluia. Amen. Tous ceux qui ont reçu la lumière leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc le sorcier maintenant ne sera plus serviteur du diable, mais plutôt serviteur de Dieu parce qu'il a reçu la lumière. Donc automatiquement, il sort. Et il rentre dans la lumière. Le méchant, lorsque le méchant reçoit Jésus, automatiquement, il sort des ténèbres et il vient dans la lumière. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. C'est ça qu'on appelle la délivrance. Donc la délivrance, en un mot, c'est quitter les ténèbres à la lumière. Maman Jésus. Donc, la délivrance, c'est quitter les ténèbres à la lumière. Maintenant, nous allons comprendre. Alléluia. Qu'est-ce qui caractérise la vie des ténèbres? Pour que nous comprenions désormais. Pour qu'on dise que, donc lorsque je quitte les ténèbres, donc je suis délivré. Qu'est-ce qui caractérise les ténèbres?
Les ténèbres, c'est quoi? C'est l'absence de vie. L'absence de vie. Amen. Les ténèbres, c'est quoi? C'est les maladies. C'est ça qu'on appelle les ténèbres. Celui qui est malade est dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui est aveugle est dans les ténèbres. Celui qui ne marche pas bien est dans les ténèbres. Blaine. Voilà. La veuve est dans les ténèbres. Le sourd est dans les ténèbres. Celui qui dort la nuit et fait des mauvais rêves est dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui va à l'examen et échoue est dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui est pauvre est dans les ténèbres. Alléluia. Celui qui n'a pas de la paix dans le cœur est dans les ténèbres. Celui qui souffre est dans les ténèbres. Darkness. Maintenant, pendant que je parle, commence pas à observer ta vie. Alléluia. Et dans les ténèbres. On dit la même. Donc, voilà quelques éléments, quelques indices qui caractérisent les ténèbres. Lorsque tu vois un de ces éléments dans ta vie, c'est que automatiquement tu es où? Tu es dans les ténèbres. Donc, maintenant, quel est maintenant le vrai sens de la vie du chrétien? Amen. Si déjà nous comprenons quelques activités des ténèbres, alors qu'on comprend maintenant, pourquoi moi, en tant que chrétien, j'ai encore des problèmes encore? Alléluia. Pourquoi moi, je suis chrétien, j'ai reçu Jésus? Amen. J'ai reçu la lumière. Les sorciers m'attaquent encore. Je suis envoûté. Je viens de voir dans ma vie. C'est les ténèbres. Ou bien, c'est les ténèbres. Donc, si ça ne va pas, c'est les ténèbres. Darkness. Si all is wrong, it's darkness. Alléluia. Si tout va pas, c'est les ténèbres. Maintenant, moi, chrétien, regardez bien. Moi, chrétien, comment se fait-il que je suis dans la lumière et j'ai encore le problème de sorcellerie? Voilà le paradoxe. Voilà la problématique. Dis problématique. Alléluia. La question, la réponse est simple. Vous savez pourquoi? Oui. C'est le comportement. Très bien. Tu es sur la voie que Dieu te bénisse. Amen. Comportement. Behavior. C'est ça, non? Voilà, behavior. C'est ça, on dit, non? Comportement. En anglais. Très bien. Alléluia. Je fais encore une semaine, je vais parler anglais. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Donc, comment se fait que le chrétien qui est normalement dans la lumière souffre encore? Comment se fait-il que le chrétien qui est dans la lumière dans la nuit se retrouve et se retrouve de manger dans la sorcellerie? Vous savez quoi? La réponse est que la lumière n'est pas totalement entrée dans sa vie. La lumière n'est pas totalement entrée dans sa vie. Et là où la lumière n'est pas encore entrée, il y a combat. C'est là qu'il y a combat spirituel. Donc, l'origine du combat spirituel, c'est du fait que la lumière a rencontré les ténèbres. Ou les ténèbres ont rencontré la lumière. Là, il y a combat. Parce que les deux ne peuvent pas rester ensemble. C'est ça l'origine de tout combat spirituel. Alléluia. Donc, chrétien,
Si tu observes des choses et ténèbres dans ta vie, ça veut dire tout simplement que la lumière ne t'a pas encore rempli. Ça montre que ta vie n'est pas encore totalement dans la lumière. C'est comme quelqu'un dont la tête est dans la lumière et le corps est encore dans l'obscurité. Ou bien c'est pas clair. Amen. Regardez la salle. Imaginons qu'on était cette femme-là. Quand on était là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va donner une chambre un peu, non? Ça va donner une chambre, c'est ça, non? Et on va commencer par chercher, je ne vois pas bien. Oh, je ne vois pas bien, il y a quoi ici, je n'arrive pas, je ne vois pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Et on était encore à ce moment-là. C'est fini. On va se coller la tête. Amen. Tu colles la tête de l'autre, l'autre colle ta tête. Et on prend ce pied, dit les pieds. Tu dis qu'il va toucher. On commence à donner un coup de poing. D'accord. C'est ça, les ténèbres. Quand il n'y a pas la lumière, c'est ce qui se passe. Mais le cas va allumer la lumière. Ah, c'est toi. Oh, pardon, je ne savais pas. Oh, je ne savais pas. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi celui qui est dans les ténèbres, pardonne. Et pardon son frère. Parce qu'il comprend que c'est pas son frère qui a le problème. C'est l'obscurité, c'est la ténèbre qui ont créé le problème. Mais la lumière est venue, on voit clair. Je vois que c'est mon frère. Amen. Oh, je ne sais pas que c'est sur ce que tu avais porté. Alléluia. Donc, si tu remarques que dans ta vie, il y a ce combat-là, pose-toi la question. Pose-toi la question, dis que il y a quelque part dans ta vie qui est encore dans les ténèbres. C'est pourquoi tu continues encore à lutter dans la sorcellerie. Tu ne peux pas être dans la lumière et être encore dans les ténèbres, ce n'est pas possible. Ou bien, quand la lumière vient, les ténèbres disparaissent automatiquement. Et quand la lumière s'éteint, les ténèbres apparaissent. C'est l'un ou c'est l'autre? Les deux ne peuvent jamais rester ensemble. Jamais. Un doit déloger l'autre. Alléluia! C'est pourquoi il dit qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Tu es dans la lumière et encore le champ des deux sont encore dans ta vie. Fait qu'il n'y a pas d'accord, il y a un problème. Alléluia! Maintenant, le problème, c'est que le croyant, le chrétien, a une partie de lumière en lui et une partie des ténèbres en lui. Et les deux luttent. Les ténèbres veulent gagner plus d'espace. La lumière aussi veut gagner encore. Donc, il y a un combat. La lumière veut gagner. Les ténèbres veulent gagner. La lumière veut gagner. Les ténèbres veulent gagner. C'est pourquoi aujourd'hui, tu prends l'alcool. Tu prends tout près, demain tu laisses. Tu ne veux pas dans la lumière. Après demain, tu ne prends pas l'alcool. Tu ne prends pas dans l'intérêt. Tu prends cigarette. Aujourd'hui, tu prends dans l'intérêt. Demain tu jettes cigarette. Tu ne prends pas dans la lumière. Après demain, tu ne prends pas la cigarette. Tu ne prends pas dans l'intérêt. Donc tous les jours, l'homme. Le chrétien va dans la lumière et dans les ténèbres. Lumière, ténèbres, ténèbres, lumière, lumière, ténèbres, ténèbres, lumière. Alléluia. Amen. Donc, le problème, c'est que ces zigzags-là, ça profite à un côté. Vous comprenez? Ça profite à un côté. Dans ton lumière, tantôt ténèbres, tantôt lumière, tantôt ténèbres, tantôt lumière, tantôt ténèbres. Soit c'est les ténèbres qui créent un peu. Allez, c'est à moi de dire ça. Et finalement, les ténèbres vont gagner cette partie de l'homme, du chrétien. Donc, il est chrétien,
Mais il continue encore de prendre l'alcool. C'est lui qui va trouver le verset pour montrer ça. Non, tu n'as pas interdit l'alcool, non. C'est l'essai que tu as refusé. Là, il est vaincu par les ténèbres. Acclame Jésus. Amen. Il est vaincu par les ténèbres. Là, il ne peut plus abandonner l'alcool parce qu'il a trouvé un verset. Vous gardez ça là. Laissez ça les cigarettes. Amen. Un peu. Il fume une cigarette pendant une semaine. Deux semaines plus tard, il a une cigarette. Donc, dans deux semaines, il reste dans la lumière. Et quand il reprend la cigarette, il repart encore dans les ténèbres. Amen. Et on va voir, pendant un temps, s'il est arrivé à un moment donné, il dit bon, la cigarette c'est mauvais. Non, je vais apprendre la cigarette. Amen. Dans ce cas-là, la lumière a gagné la paix de cigarette. Donc c'est une victoire. C'est un victoire. Donc lorsque tu as pardonné le péché, il y a une victoire de la lumière. Acclame Jésus. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc lorsque tu arrives à vaincre le péché là, la lumière, la victoire. C'est systématique. La lumière, c'est les anges. Écoutez-moi bien. La lumière, c'est les anges. Les ténèbres, c'est les démons. Donc, les démons t'amènent à prendre cigarette. Alléluia. Ils te disent, prends cigarette. Et tu prends. Donc, ils sont contents. Donc, ils chassent les anges. Ils gardent le terrain. Pendant une semaine. Après, tu dis, ah, cigarette n'est pas bon. Tu chasses cigarette. Voilà, les anges trouvent force. Abandonne. Et finalement, tu vas comme ça. Cigarette, à vie, à jamais, je ne te pardonne plus. Je chasse cigarette. Alléluia. On s'y en fait. On a gagné. C'est ce qui se passe aussi. C'est ce que les anges font. Quand tu abandonnes le péché, il y a la joie. Il y a la joie. Les ténèbres se réjouissent. Ah! Donc on a gagné. Bah. Donc Dieu vient là. Le combat n'est pas encore terminé. Le combat là, on ne va pas finir. Le combat là, on ne va pas finir. On finira par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va nous sauver. Si on se combat, personne ne peut gagner. Vous comprenez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? Si on combat, personne. Tu as pris une cigarette. Femme va venir. Le combat de femme va venir maintenant. Alléluia. Maintenant, tu as fait le combat. Comment tu vas faire? Ah! Voilà encore. Est-ce que tu parles de repos? Non. C'est pas qu'il n'y a pas de repos sur la terre. Il n'y a pas de repos. Donc, on va voir maintenant qui va remporter le combat de l'impudicité. Qui va remporter? Est-ce que c'est le ténèbre ou la lumière? Encore. Alléluia. On va voir. Ah, il est tombé dedans. Il a le chuteau. Ah, c'est grave. Les démons dansent avec le cœur devant les anges comme ça. On a gagné. Ah ouais. C'est ce que les démons font devant les anges. Les anges vont pleurer. Les anges pleurent parce qu'il a chuté. Il a couché avec la sœur. C'est fini. Tout le ciel est triste. Le royaume de la lumière, tout le monde pleure. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est comme il y a mort là-bas. Il y a décès. Vous voyez, quand il y a décès dans une famille, tout le monde est triste. Non? C'est ce qui se passe. Lorsque tu pêches, c'est ce qui se passe. Et les démons se réjouissent. Satan pleure. Satan va appeler tous les démons de pisser. Ah, on a gagné. Allez, on va trinquer le verre. Ah! Voilà. C'est ce que les démons font. Lorsque tu tombes dans ce péché, ils traitent la bière, ils traitent l'alcool, ils traitent les bouteilles, ils boivent le verre en ton nom. Parce que
tu es tombé. C'est pourquoi lorsqu'un chrétien tombe, c'est une joie pour le démon. Alléluia. Lorsqu'un chrétien tombe là, c'est une joie. Mais celui qui est païen, quand il tombe dedans, ce n'est pas un problème. Il est déjà dedans. Amen. Tu es dans la lumière, dans tes rêves, donc c'est normal. Ça, c'est la vie normale des ténèbres. Donc, si toi, tu penses que on peut avoir plusieurs femmes, on peut avoir plusieurs copines, plusieurs filles à gauche, à droite, toi, là, tu es dans les ténèbres. Et c'est normal dans ta vie. Toi, là, le diable n'a pas besoin de combat. Non. Parce que tu es déjà dans sa poche. Alléluia. Quand il met la main dans la poche, il sait que tu es toujours là. Amen. S'il voit que tu veux sortir, tu veux prendre la tête pour sortir la poche là. Il te tape la tête là-dedans. Va t'amener encore une autre fille. Elle sera plus jolie que l'autre fille. Voilà. C'est là, elle pourra bouffer la fête. Amen. Et tu tombes encore là. Et là, quand tu tombes avec cette fille, la poche là, c'est que tu vas encore au fond de la poche. Donc, pour sortir, c'est compliqué. C'est pourquoi je vais vous expliquer quelque chose. Celui qui tombe dans le péché de pitié, une fois, on l'a éclairé. On a dit celui qui a fait des pas bons. Amen. Et il repart encore. On lui dit c'est pas bon. C'est fini. Il va retomber, il va toujours tomber. C'est fini. Il est vaincu. Sauf par miracle de Dieu. Je vous dis là, je sais ce que je vous dis. Parce que lorsque tu viens à cette étape, le jour que tu abandonnes le péché, les démons sont en colère. Alléluia, ils ne sont pas contents. Mais quand tu reprends le péché, là, il y a toute la force. Mais pour que toi, tu n'abandonnes pas le péché, tu dois tout faire pour te maintenir dedans. Là, on parle de la captivité. Alléluia. La captivité. Donc, tu deviens captif. C'est là où on parle de délivrance. C'est pourquoi Jésus dit, pour proclamer la délivrance des captifs. Lorsque tu vas chez les marabouts, tu vas où? Dans les ténèbres. Vous savez ce que le diable fait? Lui-même, le diable vous explique comment il opère. Lui-même, il crée le problème. Amen. Il va créer le problème dans ta vie. Et il va venir comme celui qui apporte la solution encore. Maintenant, il crée le problème. Il peut créer le problème de mariage dans ta vie. Tu ne vas pas te marier. Tu vois maintenant, je prends de l'âge. Je ne me marie pas. Qu'est-ce qui se passe? Il va dire, d'accord, va ce que tu as fait. Va voir le marabout. Il va te faire un pain. Alléluia. Il va te donner sa voie de chance. Il va te faire poil. Tu as fait, tu as tiré au bord de la mer la nuit à 0h avec le bougie et tête de camp. Et une calebasse. Et tu as fait les rituels là-bas. Quand tu vas quitter, tu vas te marier. Et tu fais ça, tu vas dire, ah, il y a marié aussi. Donc ça a marché. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends goût à ça. Alléluia. Donc, tous les jours, tu lâches le marabout. Ah, marabout, ça a marché. Donc, on va compter les sacrifices. C'est comme ça que tu as fait. Il tend les pièges. Et lorsque tu fais ça là, lui gagne en toi. C'est que les ténèbres ont pris le contrôle de ta vie. Et toute personne, écoutez-moi bien. Toute personne qui vit dans un péché là, derrière ce péché, il y a un démon qui est dans sa vie. Je reprends. Toute personne qui vit dans un péché. Amen. Derrière ce péché se cache un démon. Parce que le péché, c'est les ténèbres. Les ténèbres sont incarnées par les démons. Il ne peut pas avoir de péché persistant dans ta vie s'il n'y a pas un démon. Si tu es là, si tu vois qu'il y a un péché qui persiste dans ta vie, il y a un péché, quand tu fais tout pour si tu abandonnes, il revient encore. Là, il y a un démon qui est là. Il y a un démon.
Tu ne peux rien faire, mon frère. Ma soeur, tu as besoin de délivrance. Tu peux jurer comme tu peux. Il va rester. Tu as besoin de délivrance. C'est pourquoi vous devez observer votre vie. Qu'est-ce que, ou bien qu'est-ce qui m'a vaincu? Quel péché m'a vaincu? Amen. David dit que l'on est esclave de ce qui a triomphé de soi. Ça veut dire quoi? Tu es esclave de ce qui t'a dominé. Qu'est-ce qui te domine? Qu'est-ce qui te domine? C'est la colère. C'est la faim. Quand tu vas faire, tu es faible. Tu dois faire que tu sens, tu dois dire que si les frères sont pour toi, c'est que ça t'énerve. C'est comme les frères deviennent pour toi de blocage. Tu les quittes. Là, il y a un démon. Il y a un démon là. Tu aimes tellement l'argent. Même les choses de l'église. Comment toi tu as fait pour prendre ce mégaphone là pour avoir l'argent? C'est ça ton problème. Qu'est-ce qu'on va faire pour que l'argent rentre? Là, il y a un démon derrière ça. Toi, c'est l'argent qui inonde ta tête. Il y a un démon derrière ça. Il y a un démon. Derrière un caractère qui persiste là. Et bien aimé, il y a un démon qui est derrière ça. Il y a une activité démoniaque derrière ça. Je vous dis la vérité. Si on vous ouvre les yeux, vous voyez des choses terribles dans votre vie. C'est pas possible. Avant que les sorciers ne travaillent là, il faut que le terrain soit favorisé. Les sorciers viennent après. Eux, ils viennent après. Amen. Les sorciers viennent après. Alléluia. Il vient après. C'est moi, je les calcule, mais pas encore. Les choses, je les calcule, mais pas encore. Je suis en train d'attaquer la racine du problème. Donc, les démons passent par certaines portes dans la vie du chrétien ou de l'homme. Alléluia. Vous savez que notre corps a des portes. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que notre corps a des portes? Qu'est-ce qu'on appelle porte? La porte, naturellement, ça permet d'entrer et de sortir. Combien? C'est ça la porte. Tout ce qui permet d'entrer et de sortir. On appelle ça porte. Donc, quand on veut entrer, on fait quoi? On ouvre. D'accord? C'est ça, non? Quand on sort, on fait quoi? On ferme. Amen. Notre corps a beaucoup de portes. Notre corps, ce n'est pas évident que notre corps est un temple, est une maison. Et la maison, est-ce qu'il y a une maison qui n'a pas de porte? Est-ce qu'une maison comme ça existe? Une maison qui n'a pas de porte, ça n'existe pas. Donc la maison doit avoir des portes et des fenêtres. D'accord? Les fenêtres permettent de voir de travers. La vue à travers les fenêtres n'est pas la même à travers la porte. Est-ce que vous comprenez même? Donc, le corps de l'homme est fait de portes et de fenêtres. Amen. Maintenant, dans un langage terre à terre, je vais appeler fenêtre porte. Amen. Parce que la fenêtre aussi, c'est une petite porte qu'on suspend. Amen. On est d'accord? Donc, je parle simplement de porte. Donc, sur le corps humain, il y a des portes. La première porte du corps humain, c'est quoi? C'est les yeux. Les yeux. C'est la première porte. Amen. C'est pourquoi tu dis que les yeux constituent la lampe du corps. Amen. C'est la lampe du corps. C'est le jeu qui permet au corps d'être éclairé. Maintenant, les démons entreront dans ta vie par les yeux. Qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Tu regardes quoi? Pornographie. Oui. Les films de guerre. Les jeux. Les dessins animaux. Les femmes.
les biens d'autrui. Tu as dit d'acheter une voiture. C'est parce que tu as vu, non? Ah, il a acheté une belle moto. Ah, bon. C'est avec les yeux, non? Donc, pendant que tu fais ça, c'est que automatiquement, tu ouvres la porte à un démon d'entrée. Automatiquement. Automatiquement. C'est pourquoi, bien vous devez faire attention à vos yeux. Vous devez faire attention à vos yeux. Tout ce que tes yeux regardent, sache que, en réalité, ils construisent des portes. Maintenant, qui entre dans ta vie, est-ce que tu sais? Est-ce que c'est la lumière ou c'est les ténèbres? C'est pourquoi celui qui chaque jour plonge ses yeux dans la parole, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Celui qui plonge ses yeux dans la parole, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il se passe quoi? Il se passe quoi? La lumière va entrer par les yeux dans son corps. C'est ça. Les anges vont prendre le contrôle. C'est pourquoi vous devez discipliner vos yeux. Alléluia. Tu dois faire attention à tes yeux. Tes yeux regardent quoi? Hein? Qu'est-ce que tes yeux regardent aujourd'hui? C'est quoi la question? Qu'est-ce que tes yeux regardent aujourd'hui? C'est pourquoi même c'est bon, même pour certaines personnes soient aveugles. Ça veut dire des péchés que les aveugles ne peuvent pas commettre. Alléluia. Donc, il y a des péchés que l'aveugle ne peut pas commettre. Est-ce que l'aveugle peut commettre le péché du pornographe? Hein? Il peut commettre? Il peut commettre? Il faut dire, Seigneur, prends-moi un feu. Je me mets un feu pour être libéré de la pornographie. Parce que si tu n'es pas aveugle là, tu vas toujours regarder la pornographie. Alléluia! Un aveugle ne peut pas regarder la pornographie. Non! Il ne peut pas regarder. Un aveugle ne peut pas savoir si une femme belle passe, une femme grosse passe, une femme jeune passe, une femme mince passe, une femme qui a de grosses belles passe. Non! Du coup, il ne voit pas. Non, lui ne peut pas pécher. Il ne peut pas faire ce péché là. Alléluia! Amen. Je suis donné les portes de délivrance de votre vie. Il n'y a pas une prière spéciale. Non. C'est à toi maintenant de fermer les portes. Désormais. Je vois, mais je ne vois pas. Alléluia. Je ne vois pas passer, mais je ne vois pas faire. Le premier regard n'est pas un problème, mais c'est le second regard qui est le problème. Alléluia! Amen. Le premier regard ne pose aucun problème. La soeur est passée. C'est pas, tu l'as regardé, c'est pas un problème. Mais c'est le deuxième regard là qui devient problème. C'est là que le premier va entrer. Le premier ne va pas entrer, non. C'est naturel. Dieu a mis les yeux pour voir. Amen. C'est naturel. Mais elle est passée. Viens, mon frère. Voilà. C'est la soeur, elle vient comme ça. Bon, ça c'est une chapelle. D'accord. On va se croiser, d'accord. Ah, ouais. D'accord. Tu me dépasses. Bon, c'est la soeur qui vient. Ah, ouais. Ah, ouais. Ça, c'est le péché, le regard qui tue. Amen. Ce regard va amener démon. Mais le premier regard comme ça. Viens, viens, raconte-moi. Là, il n'y a pas de démon. Amen. Mais comme ça, là, le démon vient. Le démon vient. C'est là la porte s'ouvre. Premièrement, c'est comme si quelqu'un a mis la clé dans la porte. Mais la porte n'a pas ouvert. Mais quand tu fais ça, derrière, la porte s'ouvre. Et quand tu regardes, tu dis, hé, mademoiselle, sœur. Tu t'es retourné, tu es allé comme ça. Tu as vu? Tu es allé en avant. Maintenant, tu as vu femme et tu t'es retourné. Voilà les conséquences de ce péché. C'est que ta vie va se retourner en arrière. Alléluia! C'est pourquoi lorsque
tombes dans un péché de pousser avec quelqu'un, tu recules. Combien de personnes n'ont pas reculé dans la vie? Ça allait bien dans le mariage, mais quand quelqu'un est rentré dans le mariage, le mari est cassé, pauvre, il ne fallait pas. Tout est bloqué dans le foyer. Parce que quelqu'un est rentré dans l'impudicité. Quelqu'un a fait un second regard. Le regard tueur. Alléluia! Le regard assassin. Regardez. Attention au second regard. Amen! Il faut dire à quelqu'un, attention au second regard. Voilà. Moi, je ne peux pas regarder deux fois. Amen. Si tu vois ça, tu dis, Seigneur, prends-moi avec. Quand tu es vers toi, tu mets sur tes yeux. Amen. Quand tu vois que ça vient, tu as cette belle loi. Amen. Et quand tu vois, tu mets ça en même temps. Je ne vois pas, oh, je ne vois pas. Commence à prier, les bras, maman, chaka, yaba. Alléluia! Commence à prier, là, quand tu regardes ça. Oh, les bras, chika, yaba. Oh, les bras, maman, chika, yaba. Amen! C'est la clé de la victoire. The king of victory. Alléluia! Est-ce qu'on avait posé la même question avant que tu sois arrivé? Bon. C'est ça la polyvalence. La polyvalence. Tu as vu le mari de la voisine. Il t'a dépassé. Ah, il sent bon là. Ah, quel est ce parfum? Tu n'as aucune encore. Tu l'as dit que ça sent bon. Amen. Quand tu dis ça sent bon, démon, entre. Donc, la deuxième porte, le nez. Amen. Le nez. Le nez. Le nez. Comme il y a 100 fois. Ça sent quoi? Odeur des gens. Tu connais odeur des gens. Odeur de Jacqueline. Odeur de Maria. Odeur de Fatou. Tu connais tous ces odeurs. Amen. Dis donc, pas pour une bonne odeur. Ah, comment tu sais ça? Tu es un animal? Tu es un chien? Tu es un lion? Hein? Ah, un lion! Vous connaissez l'odeur de chacun? Hein? Le nez. C'est pour dire que partout où le démon passe là, il crée tout le problème là. Il y a des gens qui ont des problèmes des yeux. Amen! Il y a des gens qui ont des problèmes des yeux. Il y a un démon qui est là. Il y a des gens qui ont des problèmes de l'œil, ils n'arrivent pas à respirer. Il y a un démon qui est là. Autre porte. Cette porte-là. Hé! Hey. Je ne sais pas si un menuisier peut fabriquer cette porte. La porte est large et longue. La bouche. La bouche. C'est aussi une porte dangereuse par laquelle le démon entre. Qu'est-ce qui a sonné ta bouche aujourd'hui? Ta bouche a quoi aujourd'hui? Les démons veulent parler. Amen. La plupart des personnes qui injurient là, c'est pas elles. C'est un démon qui est en eux, qui se sert de leur bouche pour dire des choses méchantes. Mon Dieu! Parce que les démons ont besoin de corps pour se manifester. Quand ils ont pris, ils se dans le corps parce qu'ils servent le corps à un gloire. Comme Dieu les a chassés, ils ont perdu leur gloire. Et ils ont habité le corps. Donc toi, quand tu es sur quelqu'un, c'est qui a prêté ta bouche à un démon. Quand tu parles mal des gens, tu as prêté ta bouche à un démon. Toi, rien de bon ne sort jamais de ta bouche. Ça, c'est un démon. Commencez par observer les gens. Tu n'as pas besoin d'aller dans une école de spiritualité, non.
observez leur comportement, vous serez vraiment les démons qui contrôlent les histoires. Il y a des gens qui sont des perroquets ici, des perroquets. Perroquets! C'est tout ce que tu dis, de passer son oreille là. Ah! Elle va prendre une fois, elle va dire ça, pas. Alléluia! Chut! Dans ses oreilles. Mais elle a entendu. Tu as appris que le verre, là, il a fait sauter avec le chien, il m'a dit ça. Hein? Il paraît que le verre sort avec la sœur. Tu en prends le serpent. Tu as appris que le verre est en train de sortir avec. Donc ça te prend. Chacun prend. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Calomnie. On appelle ça comment? Médisance. On appelle ça comment? Dénigrement. On appelle ça comment? Mensonge. Qui n'a pas mangé aujourd'hui? Qui n'a pas mangé? Qui n'a pas mangé aujourd'hui? Par exemple, qui n'a pas menti aujourd'hui? Qui n'a pas menti? Qui n'a pas menti? Qui n'a pas menti? Je vais vous prouver que vous avez menti. Et là, vous allez vous répondre. Amen. Je vais vous prouver que vous avez menti. Alléluia. Je viens vous répondre. Je vois le Seigneur. Parce qu'il a dit que vous n'avez pas touché. Pourtant, vous avez touché. Alléluia. Si on parle de péché, vous êtes dit que c'est un combat. Personne ne peut sortir du domaine sans le secours de Dieu. Il y a des mensonges inconscients. Même les pensées, quand tu as là, il y a des pensées qui sont des mensonges. Des fois mensongers qui te parlent. Ils disent ça, oh, c'est faux. Ça, c'est pas mensonge. C'est pas mensonge. Allez, j'ai pas menti. Il dit qu'il n'y a pas un seul juste. Il n'y en a pas. C'est vrai que quand vous le confessez, vous pouvez confesser les péchés. Quand tu confesses les péchés que toi tu connais, oh, il y a des péchés que tu ne confesses qui sont nombreux. Tellement nombreux, graves. Ah Seigneur, bon, comme aujourd'hui je n'ai pas conscience que j'ai insulté quelqu'un, bon, Seigneur, aujourd'hui j'ai fait le vol de l'épreuve. Oh, c'est bon. Dans tes pensées. Vous savez que les pensées, Dieu lit les pensées. Vous savez ça? Toutes les pensées et les démons traversent dans les pensées. Tu peux ne pas parler, tu as péché. Si tu ne veux pas te fermer dans ta chambre, ferme tout. Éteins la lampe, tu vas pécher. Alléluia! Tu vas pécher! Tu vas pécher. Après ce que tu meurs, là c'est fini. Péché a terminé, péché a expiré. Amen! Tant que tu vas réfléchir là, tu vas pécher. Quelqu'un va te faire le choix de l'appeler de ça. Je vais lui faire ça. Vous voyez, surtout quand on est seul, c'est là qu'on pêche. Je vous ai dit. Surtout quand on est seul, c'est là qu'on pêche beaucoup. Surtout quand on est seul, c'est là qu'on pêche beaucoup. Surtout quand on est seul, c'est là qu'on pêche beaucoup. Quand tu es seul et que tu ne peux pas te la prier, dans la méditation, tu vas bouger. Tu t'assures, tu vas bouger. À moins que tu dormes. Même dans ce monde, j'apprends sur le qu'on empêche. David dit qu'on empêche. Oui, non. David a dit que mon âme a péché, non. Toi qui pardonnes, le péché de mon âme. Tu me sens quoi? Donc, tu es là. Même avant de me dire que tu pêches encore. Tu te rappelles que quelqu'un a fait des choses là. Tu es énervé. Mais Jésus là, regardez Jésus. Lui, il a fait 30 ans, il a réussi la terre. 33 ans, c'est ça. 33 ans, il est beau. Sur la terre, lui Jésus, il n'a jamais péché. 33 ans, et puis il n'a jamais péché. Bon, on t'a donné 5 minutes, on voit si tu as péché ou pas. Et quand tu as péché, c'est incontable. En 5 minutes, regarde le nombre de péchés que tu as. Jésus lui a fait 33 ans,
qu'un seul péché. Comment c'est hier? Alléluia. Donc, la bouche. Et quand je parle de la bouche, il y a encore une autre porte dedans qu'on appelle la langue. Alléluia. La Bible dit, on peut dompter tous la terre. On peut dompter les lions, on peut les dompter, les lièvres, les éléphants, tout ça là. On peut les dompter, on peut les vaincre. Amen. On peut éteindre le feu dans toutes les forêts de Zélébouy, de Libéria. On peut éteindre, même si les forêts, toutes les forêts de Libéria prennent feu là, on peut les éteindre rapidement. Hein? Il y a un feu là. Même si on appelle tous les sapins pompés de la terre, on ne peut pas éteindre le feu. La langue. La langue. La langue. Le fire. C'est un feu. La langue, c'est la mort. La langue, c'est la vie. La Bible dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu sors de ta langue? Ce n'est pas les paroles négatives. Oh, moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas. Je suis incapable. T'as vu? Ta langue a confessé que tu es incapable. Et Dieu dit, je ferai exactement ce que tu as dit. Attention. Amen. Attention à ce qui sort de vos. Alléluia. Autre part. Les oreilles. Les oreilles sont de grandes portes. Amen. Tu peux apprendre juste quelque chose depuis ta naissance. On vient te dire, et qui a appris que ta grand-mère est décédée, c'est fini. Ça change tout ton état. Parce que tu as entendu. Tu entends quoi? Ce que tu entends de façon. Alléluia. Ce que tu entends de façon te transforme, te batte. C'est pourquoi il faut éviter d'entendre les mauvaises choses. Amen. C'est ça qui fait que beaucoup ont toujours des l'amertume. Sont toujours bizarres dans leur cœur. Ils ne sont pas heureux au fond de parce qu'ils entendent n'importe quoi. Alléluia. Évitez d'entendre n'importe quoi. Amen. Évitez d'entendre n'importe quoi. Donc les oreilles sont aussi des portes par lesquelles les démons entrent. Quand quelqu'un va percer ses oreilles, qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui perce ses oreilles était en train d'éviter le démon dans tout. C'est ça. Le démon va entrer par les oreilles parce que l'oreille a été percée. L'oreille a été mise au service du démon. Moi, hier, nous avons parlé contre les conceptions là. On ne doit pas mettre les boucles à l'oreille. Non! Pourquoi vous allez faire ça? Quand vous faites ça, vous êtes possédé. C'est ce que vous avez possédé. Les gens vont dire, ah, homme de Dieu, donc, toutes les femmes qui mettent boucles à l'oreille, elles sont possédées. Oui! Elles sont possédées. C'est ce que je dis. C'est la vérité. Je ne peux pas te mentir, c'est la vérité. Une personne ne peut pas être possédée, les autres ne peuvent pas être possédées. Non. C'est le même esprit. Elles sont toutes possédées. Et la meilleure façon de chasser le démon, c'est d'enlever le bout de l'oreille. Rapidement. Tu enlèves. Moi, le petit calme, mais vite enlever. Si tu veux, tu peux garder ton démon. Garde ton démon. Amen. Il faut garder. Mais si tu meurs, le démon va t'amener là où il est. C'est pour ça qu'on dit, ça conduit en enfer. En réalité, le démon se cache derrière la boucle d'oreille. Amen. Et il attend que tu meurs. Quand tu vas mourir, les anges ne viennent pas chercher ton âme, mais les démons qui sont avec toi sur la terre, c'est eux qui te prendront. C'est comme ça. Si tu es resté tout le temps dans la lumière, quand tu vas mourir, les anges viennent te chercher. Mais quand tu es resté tout le temps dans les ténèbres, quand tu vas mourir, les démons viennent te chercher. Donc, boucle d'oreille, tu mets là. Démons vont entrer dans ta vie. Donc, même ils pêchent vers nous. Ils pèsent leur langue, ils pèsent leur nombril. Alléluia.
Si vous avez encore des enfants qui mènent la vie de l'école, il faut le faire rapidement. Je vous invite. Si vous avez vos enfants, il faut les enlever rapidement. C'est que ne réfléchissez même pas. Enlevez vite, 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 vite. Je vous prie, enlevez ça vite, vite, vite. Vous avez délivré l'enfant de quelque chose que vous ne savez pas. Ne vous conformez pas au monde. Ne regardez pas le monde. Non. Ne regardez pas parce que non, c'est dans notre culture. Non, nous, c'est comme ça qu'on fait. Regarde dans le monde entier. Regarde tout le monde, mais pour donner ça, tu dis quoi? Il ne faut pas regarder ça. Tout le monde met. Est-ce que Dieu met? Non. Tu veux écouter la voix de tout le monde, mais la voix de Dieu. C'est parce que tout le monde fait la chose que c'est vérité. Non. Alléluia. Beaucoup pensent que lorsque tout le monde fait la chose, que la chose est vraie, c'est faux. C'est pas toujours vrai. Alléluia. Donc, pour donner, il faut le dire. Faut pas enlever le gars à la maison. Si tu le gardes, tu le caches, tu vas cacher le démon à ta maison. Et là aussi, c'est là où les esprits viennent dans vos vies. Lorsque vous mettez des choses dans vos maisons, hein, des objets d'art dans vos maisons, des dessins bizarres, vous les mettez comme ornement dans vos maisons, vous invitez les démons dans votre vie. Vous mettez avec la photo de ton papa qui est décédé à la maison. Hein? La photo de ta maman qui est déjà mis ça à la maison, à côté de ta photo. Tu veux quoi avec la photo de ta maman? Tu veux quoi avec la photo? Tu veux quoi avec la photo? C'est un esprit de mort, c'est ça que tu es invité chez toi. Et quand tu dois aller, tu te trouves au village et tu t'inquiètes. Non! Enlève ça! Jésus dit, il n'y a rien entre les morts et les vivants. Ah non, c'est bon, c'est un souvenir. Souvenir. Si c'était nécessaire, si le souvenir était nécessaire, Jésus allait laisser son visage sur la terre. Au moins, il a dit, ah, Jésus, le Seigneur a ceci. Jésus est comme ça, Jésus est comme ça. Combien? C'est ça, non? Je ne dis pas Jésus que les gens ont fabriqué les Jésus de film là. Je ne dis pas Jésus de Nazareth de film là. Je ne parle pas de ça. Jésus que les gens ont fait dans l'église catholique, dans l'église, je ne parle pas de ça. Ça, ce n'est pas Jésus. Amen. C'est les gens qui ont fait le film. Ils ont mis l'image. C'est clair. Si tu vas dans une église, ils ont mis l'image dans l'époque, qui t'a mis ça? Alléluia. Donc, ces choses que vous mettez dans vos maisons là, attirent les démons. Alléluia. Ça attire. Tu es allé chez le marabout. Le marabout t'a donné un bal. Amen. Ou bien tu es allé chez le marabout. Même ce que tu as porté, même est déjà envoûté. Si tu as mis ça à la maison, le démon est là. Il est caché dans ton habit. Même si tu es là. Tu peux laver, tu peux aller dans le principe, tu peux repasser. C'est que tu peux même tout ce qu'il faut, le démon dedans. Alléluia! Donc, arrivez à la maison, commencez par prier votre chant. Commencez par sortir ces choses. Vous voulez voir que quelque chose se passe, vous voulez voir que vos lèvres sont claires. Donc, si tu lèves des choses bizarres, c'est sûr que la cause est dans la maison. Il y a quelque chose qui est dans la maison qui attire la présence du démon. Ça peut être des objets que tu as dans la maison. Les colis, tous ces choses que vous mettez dans vos maisons, il faut enlever ça. Les neiges, dans ta maison, il faut brûler ça. Les gifs déchirés, là, il faut brûler ça. Ça attire les démons. Je vous dis la vérité. Si vous voulez que la lumière vous en remplisse, séparez-vous de ces choses. Alléluia. Donc, veillez sur ce que vous avez à la maison. Alléluia. Les choses qui sont bizarres, qui ne sont pas enlevées, c'est enlevées, les fournies. Je vais vous raconter une histoire. C'est une soeur que j'ai reçue. Et la soeur me parlait de ce qui se passe dans sa chambre. Elle a mis une photo de la reine Elisabeth. La reine Elisabeth. Elle a mis la photo au mur de sa maison, au salon. Amen. Et une nuit, elle sort pour prier. Dès 2h, 3h, au salon, elle priait. Et quelque chose a dit de regarder la photo. Et quand elle regarde la photo, les yeux de la photo ont bougé. Ils ont commencé à bouger comme ça, comme c'est vivant. Elle a pris peur. Elle a crié. Elle a amené la photo. Elle a prié sur la photo. Elle a dit, oh, je suis sur la photo. Elle a brûlé ça. Donc, tenez ces photos. Il y a eu quelques esprits.
Je vous dis la vérité. Sur quel des esprits? Il faut les tirer. Amen. Vous serez appelé pour ton âme. Par Jésus. Donc, nous avons les oreilles. Nous avons aussi le nombril. Le nombril, c'est aussi une poche. Alléluia. C'est aussi une poche. Souvent, les sorcières, les démons, utilisent ce côté-là pour entrer dans la vie de la personne. Mais les gens, les femmes qui s'habillent et laissent leur nombril dehors là. En réalité, c'est une poche. Elles s'habillent, elles vont porter habillées. Jusqu'ici, elles vont laisser leur nombril dehors. Elles s'exposent au démon. C'est une porte qui est ouverte. Naturellement, au démon. Et il y a d'autres personnes, quand elles sont liées là, quand on coupe le cordon ombilical, alléluia, quand on coupe le cordon ombilical, il va aller enterrer le placenta. Le placenta. Alléluia. Le placenta, c'est dans ça que l'enfant est blessé dans le ventre de la mère. C'est ça qu'il a couvert. Alléluia. C'est dans ça que l'enfant est resté dans le ventre de la mère. Et quand l'enfant naît, l'enfant, on le sort avec le placenta. Amen. Et on coupe le cordon ombilical. Amen. Et on va jeter, on va creuser ça. Je ne sais pas comment ça se passe ici. Chaque famille a une manière de faire ça. Même la personne qui va prendre le placenta, est-ce que cette personne va compter la vie de l'enfant jusqu'à la fin de sa vie sur la terre? Si c'est un sorcier qui prend ça, c'est fini. L'enfant est fini. Il y a des gens qui ne comprennent pas aujourd'hui, ils ne comprennent pas d'où vient leur problème. Leur problème vient de votre placenta. Que votre tante qui convoitait votre papa, parce que vous êtes né, elle est jalouse. Comme un bon garçon peut être comme ça. Elle va prendre le placenta, elle connaît tout. Qu'est-ce qui va être allé? Et maman aussi, le papa se donne le vie pour dire, ok, comme elle a plus âgée, elle connaît tout, on lui a le vie ça. Elle est partie en terre ça. Il fait des préparations sur ça. Et l'enfant, maintenant, l'enfant a commencé par grandir. Il a commencé par prier, travailler un peu, puis à un moment donné, c'était. Et ça était. On va nous terminer. À l'école, quand il va à l'école, il dort. Il dort à l'école. Il va à l'école, il vole. Il va à l'école, c'est bagarre. Les maîtres, ils tapent. Ils tapent aussi les maîtres. Cet enfant-là, dans la société, et ils ont volé son place. Ils collent dans sa vie. Alléluia. Ils ont aussi une porte. Et le porte dont je vais parler, c'est le sexe. Alléluia. Le sexe, ça, c'est au niveau. C'est là même on fait alliance. C'est là, alliance même. Les autres ne sont pas directement des portes d'alliance. Sauf si une alliance est confirmée par le passant. Mais le cesse, c'est une alliance systématique. Alléluia! Le cesse, c'est une alliance systématique. Quelle que soit la personne avec qui tu te couches, c'est une alliance systématique. Que la personne soit dans la lumière ou non, c'est une alliance. Et vous savez qu'une personne, c'est toute une famille derrière la personne. Alléluia. Quand je prends mon frère qui est ici, il a un père et une mère. Ou bien, son père vient d'une famille. Et tous les démons de la famille sont derrière le père. Écoutez-moi bien. Tous les démons de la famille sont derrière le père. Et là aussi, une mère, n'est-ce pas? La mère aussi a une famille. Donc tous les démons de la famille de la mère sont derrière la mère. Donc il y a deux catégories de démons. Démons du côté du père, démons du côté de la mère. Tout ce qu'ils ont fait de méchant dans la famille, tout est derrière. Donc, si quelqu'un couche avec lui là, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui couche aussi a aussi deux catégories de démons. Papa, maman. Quand elle va coucher, qu'est-ce qui va se passer? Il prend alliance.
tous les démons qui sont là-bas vont faire alliance avec tous les démons qui sont ici. Donc, lui, on devine avec combien de démons? Deux catégories de démons. Lui avec combien? Deux aussi. Quand les deux vont se mettre, ça va faire combien? Quatre. Si se sépare, chacun a combien? Quatre. Il a toujours quatre. Quatre. Tu vois? Maintenant, si jamais, lui là, il a quatre. Il tombe encore sur une femme qui est une prostituée. Imaginez le nombre de démons qu'elle transporte. Vous imaginez le nombre de démons qu'elle transporte. Et elle va coucher avec cette femme. Qu'est-ce qui va se passer? Il prend les démons les plus anciens, les démons de la France, les démons de la Chine, les démons de la Corée, les démons de l'Afrique du Sud, de Tanzanie, à la base, tous ces démons dans sa vie. Et si jamais lui il est marié, alléluia, il vit avec sa femme et il va coucher avec elle, je veux dire c'est une femme. Amen. Tout son foyer est détruit. Automatiquement. Son foyer est détruit. La vie de ses enfants est détruite. C'est fini. Fais-moi attention. La Bible dit que celui qui couche avec une prostituée livre sa figure aux hommes cruels. Il livre ses années de combat aux hommes cruels, aux démons. Et il va devenir pauvre. Le 16. C'est une porte dangereuse. Qui a vécu dans quelle relation avant de venir, nous allons prier tout à l'heure. Amen. Tu vas briser tous ces liens que tu as accumulés dans ta vie. Parce que derrière chaque lien, il y a des malédictions. Amen. Des malédictions. Si dans leur famille, on ne se marie pas, dans leur famille, on n'enfante pas, non seulement toi tu pleures, on ne se marie pas, et on n'enfante pas dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? Si même dans ta famille, les gens se marient normalement, les gens vieillissent normalement dans ta famille, parce que tu as fait alliance avec elle. Et dans sa famille, les gens meurent vite. Les femmes sont stériles. Les hommes ne trouvent pas envie de mari. Toi, tu penses à ça dans ta vie. Et toi, tu vas démarrer une autre malédiction. Tu dis, mais dans ma famille, les gens ne font pas ça. Les gens se marient normalement. Mais pourquoi je ne me marie pas? Je ne sais pas pourquoi je ne me marie pas. Parce que tu as couché avec une femme et elle a donné la malédiction de célibat. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur est prêt à vous délivrer ce soir. Amen. Il va vous délivrer. Et comment recevoir la délivrance? Alléluia. Puisque nous connaissons même les portes d'entrée. Pour recevoir la délivrance, la première étape, c'est de confesser ses péchés. Amen. Tu dois ouvrir ta bouche. Exactement tout ce que tu as fait. En réalité, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas ce que tu as fait. Ce n'est pas que tu ne sais pas. Dieu sait. Mais il veut t'appeler toi-même à dire ça. Pour que toi-même, tu puisses prendre conscience. Alléluia. Donc, première étape, c'est de confesser le péché. D'abord, c'est de reconnaître d'abord le péché. Tout d'abord, reconnaître. Amen. Oui, j'ai mal fait. Oui, j'ai fait ça. J'ai couché. Je suis allé chez Marabout. J'ai apporté. J'ai pris des produits. Hein, pour avoir de clients, j'ai fait ceci, j'ai eu des savons de chance, j'ai eu des parts, j'ai donné des conseils pour avorter. Je suis même allé ramasser les bagages de la femme de son foyer, etc. etc. Alléluia. Donc tu dois reconnaître. Quand tu reconnais, qu'est-ce que ça te fait? Ça te fait du bien ou du mal? Si ça te fait du mal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas confesser. Amen. Tu vas dire ce que tu as fait. Tu dis, Seigneur, j'ai péché. J'ai vraiment péché. C'est-à-dire, il faut que tu aies mon sang, tu sens dans ton cœur que tu regrettes. Parce que le démon, si tu te regardes, il te parle. Le démon, il te regarde, il fait. Si tu es vrai ou faux, il sait. Il sait. S'il va partir ou pas, il sait. Il sait que tu as le parler sur moi. Oh, pardonne-moi, Seigneur. Oh, pardonne-moi, oh, Seigneur, c'est fini aujourd'hui que ça. Il te rit. Il est fini de parler avant que je ne travaille. C'est ce qu'il dit. Il faut que toi-même tu sois convaincu pour dire vraiment, je veux abandonner ça, je ne veux plus ça. Et tu pleures devant le Seigneur. On sent réellement que ça te fait mal le péché.
Mais si tu prends, tu dors, tu laisses ça. C'est pas grave. Tu vas prendre des galons sur le péché. On t'appelle général de péché. Amen. Voilà. Adjudant chef de péché. Capitaine de péché, colonel de péché. Le démon va te gratter, faut dormir. Amen. Donc, on va parler de fait. Amen. Je veux que chacun prenne sa vie au sérieux. Je vous dis la vérité. Faut pas que cette mission passe et que votre ne soit pas pour soi. Ce soit gâché pour vous. Je vous dis la vérité. On a parcouru des milliers de kilomètres. On a pris avion. On a pris voiture pour venir ici. Et tant que tu vas rester comme ça, on va partir. Non. Non. Nous, ça va nous faire mal. Alléluia. Donc, repentance, confession. Maintenant, quand tu confesses le péché, il faut que tu prennes l'engagement d'abandonner, de renoncer au péché. Tu dois être convaincu. Oui, je renonce aujourd'hui à la cigarette. C'est fini. Cigarette ne va jamais, donc, ne va plus jamais entrer dans ma bouche. C'est fini. Même odeur d'alcool ne va plus s'approcher de moi. C'est ça. L'engagement d'abandonner. Et quand tu fais ça, ce n'est pas encore fini. Lorsque tu fais le fait, il y a un autre acte que tu vas poser, qu'on appelle la restitution. La restitution. Ça veut dire quoi? Le péché que tu as commis là, ça a créé des dommages, des dégâts dans la vie des autres. Peut-être que tu as pris le mari, la femme de quelqu'un. La femme d'une soeur. Et la femme d'un frère, d'un homme. Tu as pris ça. Parce que tu as eu des produits, des pouvoirs pour arracher ça. Aujourd'hui, maintenant, quand tu t'es répondu, j'ai eu le pouvoir dangereux pour arracher. Qu'est-ce que je vais faire? Tu vas me voir. Je vais dire la vérité. C'est pas qu'il va reprendre la femme, mais je vais lui dire la vérité, ce qui s'est passé. J'ai eu cette produit pour faire ça. Parce que si tu ne fais pas ça, je t'assure, au portail du ciel, on va te montrer ça. Et tu ne pourras plus demander pardon, c'est fini. Si tu meurs, c'est fini. Hein? Mieux vaut que tu dises et que les gens te gifent trois fois que de se faire torturer par le feu éternel en enfer. Je préfère que mon mari me jette dehors avec mes bagages que Dieu me dise dehors, le chien. Si tu as caché, alléluia, si tu as caché un enfant, une grossesse, c'est le moment pour restituer ça. Tu vas avoir l'odeur de la grossesse, l'odeur de l'enfant. L'enfant qui est là, tu sais que ce n'est pas. Ce n'est pas l'enfant de ton mari. Tu sais très bien. Tu dois restituer mon mari. Alléluia. Mon mari, l'enfant là, ce n'est pas ton enfant. J'ai menti. J'ai vraiment menti. J'ai menti. Il y a une histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire d'une soeur. Amen. La soeur s'est mariée. Pendant que l'homme l'a rencontré, elle n'a jamais dit à l'homme qu'elle a un enfant. Elle n'a jamais dit à l'homme qu'elle a un enfant. Écoute-moi bien. Et l'homme pensait que, bon, c'est une soeur qui n'a pas un passé dangereux, tout ça là. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont faire le mariage. Écoutez-moi bien. Ils ont fait le mariage. Et quand ils ont fait le mariage, quand tout le monde est rentré à la maison, le couple aussi est rentré à la maison. Et c'est sur le lit que la soeur va confesser à l'homme qu'elle a un enfant du monde. Alléluia. Amen. Imagine l'état dans lequel cet homme va se retrouver. Le mariage a été révoqué le même jour. Aussitôt marié, aussitôt divorcé. Parce qu'il a caché la vérité. Si tu as caché la vérité à ton mari, tu dois restituer ça. Sinon, tu ne seras jamais délivré. Parce que derrière ça se trouve une alliance. Alléluia.
Lorsque tu refuses de confesser un péché, là, il y a une alliance avec le diable sur le péché. Je n'ai pas dit. Les gens vont se moquer de moi. Regardez. Alliance avec le diable. Tu dois dire la vérité à ta femme. Tu dois dire la vérité à ton mari. Ah, quand j'étais dans le monde, j'ai avorté mon mari. J'ai avorté. Tu l'as dit que tu as avorté une fois. Est-ce que tu l'as dit? Et lui a compris. Oh, tu as avorté plus de 10 fois. Tu as avorté 10 fois. Tu m'as dit. Mon mari, j'ai avorté 10 fois. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi tu dois connaître ça? Parce que s'il ne connaît pas, on peut t'aider du ciel. On va te montrer ça. On va te dire, jeter là-dedans. Là où il y a les grincements de dents et de pleurs. Donc, la restitution. Si tu as volé un pied à quelqu'un, tu dois dire à la personne que tu as volé son pied. J'ai volé la moto. C'est moi qui ai volé la moto qui a fait lui à un an. C'est moi. J'ai vendu ça. Je te demande pardon. Je vais te restituer la moto. Tu vas lui restituer la moto. Alléluia. Tu vas lui restituer ça. Tu as fait fort visage de faux. Tu as triché à l'université, à l'école, pas encore de diplôme pour passer en classe supérieure. Tu vas restituer. Et la meilleure façon de laisser, on vient devant l'église, on dit ce qu'on a fait. Église, votre frère que vous voyez là, c'est un faux frère. Je suis un faux frère. Je suis une fausse sœur. Voilà ma vie. Voilà ce que je fais en cachette. Restitution. Tu as dévoilé le diable. Voilà, ton cas est résolu sur la terre. Quand tu vas mourir au ciel, là, tu vas rentrer au ciel. Parce que ton cas a été réglé sur la terre. Mais ce n'est pas réglé sur la terre, c'est au ciel, là, c'est dangereux de vivre pour toi. Il n'y a pas de pardon au ciel. Alléluia. Donc, ça ne finit pas la restitution. C'est très important. La restitution, ce n'est pas maintenant. Lorsqu'on a fait le programme, les personnes que tu as blessées, tu as fait la paix avec eux. Amen. C'est ça la restitution. Les personnes sur qui tu as fait le faux témoignage, tu as menti sur leur compte, tu vas leur demander pardon. J'ai menti sur ton compte. C'est à cause de moi que tout le monde dans les quartiers te déteste. Je te demande pardon. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai dit aux gens que tu as volé. Alors que tu n'as pas volé, c'est moi. Je te demande pardon. C'est ça la restitution. Parce que si tu ne fais pas ça, quand tu vas mourir, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras nulle part, tu iras en enfer au feu. Et c'est un dommage pour toi. Amen. Donc voilà quelques éléments qui vont nous aider à vraiment prier ce soir. Amen. Nous allons prier. Je vous ai dit, la première étape de la délivrance, c'est la repentance. Amen. La deuxième étape, c'est la prière de délivrance. Alléluia. Hier, on a commencé. Aujourd'hui, nous allons terminer. Amen. Donc, nous allons prendre un moment. Amen. On va prendre un moment de prière. Gloire à Jésus. Nous allons prendre un moment de prière. Je vais t'inviter à te lever. D'accord. Tu vas te lever. Tu vas t'examiner. Examine-toi. Examine-toi la lumière de la parole que tu as entendue. Ce que tu as entendu ce soir, commence pas à t'examiner. Commence pas à te regarder. Est-ce que ce qu'on a dit ce soir, est-ce que ça te concerne? En quoi ça te concerne? Où est-ce que tu as fait? Comment as-tu utilisé ton corps? Regarde. Entre en toi. Commence pas à te déranger. Nous allons entrer dans un moment de prière. Et nous devons d'abord nous repentir. De tous nos péchés. Si le moteur là n'est pas en marche, on ne voit pas là. Je veux que tu laisses concentrer. Même si tu ne vois pas, nous allons prier comme ça. Amen. Même si tu ne vois pas, nous allons prier. Amen. Commence pas à t'examiner. Regarde tout ce que tu as fait. Nous allons prier.
Si tu vois qu'il y a encore des choses que tu n'as pas encore confessées, ce soir il faut parler. Demande pardon au Seigneur. Et les personnes que tu as blessées, va les voir. Fais la paix avec. Amen. Pour que Dieu te restaure, pour que Dieu te bénisse à la fin de ce programme. D'accord? Et tu vas te mettre à jour. Tu vas te mettre à genoux. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je suis un criminel, je suis un pécheur. J'ai entendu la parole et je me suis rendu compte que c'est moi. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles, Seigneur. Seigneur Jésus, me voici. J'ai fait alliance avec le diable. J'ai couché avec les prostituées. J'ai détruit mon foyer. La situation de mon foyer, je suis la cause. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas demander pardon au Seigneur. Toi qui tombes chaque fois, tu te répands et tu tombes encore dans le péché. Si c'est la cigarette, c'est l'alcool, c'est la femme. Demande pardon, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi. J'ai menti à mon épouse, j'ai menti à mes enfants. Quand je sors pour aller voir les prostituées, je leur dis que je vais au travail. Quand je vais en mission, Seigneur, j'ai menti, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pécheur criminel. Seigneur Jésus, je suis allé faire des choses pour recevoir des pouvoirs auprès des féticheurs. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Seigneur, j'ai calomnié, j'ai manqué de respect. J'ai manqué de respect. Je n'ai pas honoré mes parents, je les ai négligés. Parce qu'on m'a dit que mes parents sont des sorciers. Et je les ai méprisés. Je ne les ai pas aidés. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Si tu n'aides pas tes parents, tu es sous la malédiction. Si tu n'en as pas tes parents, tu es sous la malédiction. Si tu es ingrat, tu es sous la malédiction. Les personnes doivent aider aujourd'hui. Tu parles mal d'elles. Tu parles mal de tous ceux qui t'ont soutenu. Ils t'ont porté, ils t'ont gardé. Et tu es devenu ce que tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, tu les as oubliés. Tu les as oubliés. Tu as pris tout l'argent. L'argent que vous avez gagné ensemble. Tu as pris pour toi seul. Tu as pris pour toi seul. Tu es un méchant. Demande pardon. Demande pardon pour l'amour de l'argent. L'amour de l'argent que tu as. Demande pardon, Seigneur. Dis, Seigneur, j'aime l'argent plus que toi. C'est pourquoi je n'ai jamais le temps de te servir. Je n'ai pas le temps de te servir. Parce que je cours derrière l'argent. Je cours derrière mon travail. Seigneur, pardonne-moi. Toi qui as violé quelqu'un ici, tu as violé une femme ici. Tu as couché avec force. Avec une femme, tu as détruit sa vie. Elle ne va jamais oublier cela. Tu as ruiné soit sa destinée. À cause de toi, quand elle voit les hommes, elle est en colère contre eux. Elle a juré de plus jamais se marier. Parce que tu as détruit sa vie en la violant. Et donc,
Tu as violé une fille, une jeune fille. Même ta propre fille. Tu l'as violée. Tu as des désirs purs sur tes enfants. Demande pardon. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Il connaît tout. Les murmures, les critiques. Tu critiques, tu murmures contre Dieu. Tu te dis pourquoi Dieu t'a créé. Pourquoi Dieu n'a pas permis que tu meurs. Tu as murmuré contre Dieu, tu as maudit Dieu. Demande pardon d'avoir maudit Dieu. Dis Seigneur, j'étais maudit, pardonne-moi. Pardonne-moi. Seigneur Jésus, j'ai vécu dans le vagabondage. J'ai vécu dans la prostitution. Dans la folle. Seigneur Jésus, pardonne-moi d'avoir endurci mon cœur. J'ai endurci mon cœur d'apparaître dans la repentance. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi. Dis, Seigneur, les péchés sont nombreux. Les péchés cachés. Les péchés inconscients. Je demande pardon. Je demande pardon, Seigneur. Pardonne-moi pour les péchés inconscients. Les actes inconscients que je pose au jour le jour. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Amen. L'enseignement que vous avez entendu vous a éclairé davantage sur comment les démons opèrent. Alléluia. Comment les démons opèrent. La même manière que les démons opèrent, c'est comme ça les sorciers opèrent. Alléluia. Les sorciers se servent des démons. Amen. Un sorcier ne peut jamais traverser un démon. Il se sert des démons. Amen. C'est les démons qu'ils envoient dans votre vie. C'est les démons qui manipulent. Amen. Parce qu'ils arrivent à contrôler les démons. À cause du pouvoir satanique, le pouvoir impur que le diable les a donné. Maintenant, toi, tu es dans un lien de péché. Actuellement, tu es dans un lien de péché. Il y a un péché qui est dans ta vie, qui est devenu comme une chaîne, qui t'a lié. Tu vas prier ce soir. Je ne connais pas ton cas. Mais si c'est péché d'impudicité, si c'est péché d'adultère, tu vas prier ce soir. Tu as dit, Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je renonce à l'adultère. Je renonce à l'impudicité. Commence à prier. Tu vas renoncer. Je renonce à l'alcool. Tout pouvoir qui m'oppose à l'alcool. Au nom de Jésus, je renonce à toi ce soir. Tout pouvoir qui me maintient. Dans les mauvais conseils, les pensées de publicité. Au nom de Jésus, je renonce. Je renonce. Commence à prier. Je renonce à la colère. Tout esprit qui me pousse dans la colère. Je renonce. Tout pouvoir qui me pousse à la jalousie. Je renonce. Je ne veux plus convoiter les femmes d'autrui.
Je n'ai pas pu convaincre les hommes d'autrui. Les maris d'autrui, Seigneur, je n'ai pas pu convaincre. Oh Seigneur, je renonce au mal. Je renonce ce soir, Seigneur. Je renonce. Brim. Je renonce, galette. Oh mensonge. À la pêche se tête. Oh ma féerie. Toi qui demandes, toi qui demandes des gens. Renonce. Renonce. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il y a des gens qui sont sous l'influence des esprits de famille. Amen. Et le problème qu'ils ont là, le péché qu'ils ont là, c'est le péché de famille. C'est la famille là. On ne pardonne pas facilement. Amen. On ne pardonne pas. Dans la famille, on ne pardonne pas. On se venge. Qui t'a frappé? Amen, machin, la personne. On tape la personne. C'est bon, pardon, esprit de vengeance. Tu vas prier, dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dans ma famille. Dans ma famille. Nous ne pardonnons pas. Nous ne pardonnons pas. Dans ma famille. Dans ma famille. Nous nous vengeons. Nous Seigneur, Seigneur, je ne peux pas marcher. Je ne peux pas marcher. Selon la foi de ma famille. 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 À partir de ce soir. À partir de ce soir. Je renonce. À la vengeance. À la vengeance. Je renonce. À la vengeance. Je renonce. Je renonce. Au manque de pardon. Je renonce. Au manque de pardon. Au manque de pardon. Comment ça prier? Je renonce. Esprit de vengeance, je renonce à toi. Au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, dans certaines familles, c'est la prostitution. C'est la prostitution. Et l'homme ne sait pas comment se manifeste. La prostitution amène la polygamie dans la famille. C'est ça qui amène le parent à avoir plusieurs femmes. C'est bon. Il va interpréter, d'accord. Donc, Tu interprètes, c'est ça, non? Comme la maman ne comprend pas. Est-ce qu'on peut lancer les chaises? C'est très important. D'accord.
accept the price. Il est parmi nous. Laisse concentrer. Le Holy Spirit is there. The Spirit of God is there. The Holy Spirit is there. Chantez. Invite Holy Spirit in your life. Invite the Holy Spirit in your life. And with the Saint Spirit of God. Ce soir, elle est là. La présence de Dieu au milieu de nous ce soir. L'amour de Dieu est là. Il va se manifester pour nous libérer. Il est là. Ask your presence.
Ask your presence. Ask your presence, your life. Ask your presence. You need the presence of God to deliver you. That the presence of God is the deliverance. Don't be tired. Ask is the time to get your deliverance. Every need is your deliverance. You must pray. You must pray. Amen. Tu vas prier.
Tu as dit Saint-Esprit. Tu as dit Saint-Esprit. Tu as dit Saint-Esprit. Visite-moi. Ce qui est caché dans ma vie. Ce qui est caché en moi. Et qui me met dans la servitude. Ce qui est dans ma vie. Qui me rend malade. Ce qui a bloqué ma vie. Ce qui m'a enchaîné. Saint-Esprit de Dieu. Révèle-moi ce soir. Révèle-moi ce soir. Révèle-moi ce soir. La chaîne qui m'a lié. Oh, Saint-Esprit, ce soir. Ce soir, visite-moi. Visite-moi, visite-moi.
Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Pour briser la chaîne. Oh, plus. Priez à Jésus. Alléluia. Les chaînes dans lesquelles tu te trouves. Si c'est une publicité, va briser les chaînes de publicité. Si c'est chaîne de sorcellerie, va briser les chaînes de sorcellerie. Amen. Si c'est la cigarette, va briser. Alléluia. Tu vas prier. Amen. Ce que tu fais là, c'est pas encore ça. Amen. Je saisis les paix du Saint-Esprit. Prie avec moi. Je saisis les paix du Saint-Esprit. Je saisis le pain du Saint-Esprit. Je saisis le pain du Saint-Esprit. Je l'aiguise. Je l'aiguise. Je la taille. Je la taille. Je la taille. Au nom de Jésus. Toute chaîne de cigarettes, d'alcool, de lier ma biche. Je la brise. 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 Oh, je la prise. Toute chaîne qui m'a lié, je prise. La chaîne d'alcool qui m'a lié.